Bonsoir à tous, il est 19h, bienvenue dans le 19-20, nous sommes le mardi 27 et on traverse à nouveau la région pour notre série de l'été, nouvel épisode découverte ce soir des entrailles du massif des Bauges en Savoie à 20 km de Chambéry. Ce massif montagneux calcaire cache de nombreux passages souterrains, un site exceptionnel labellisé Géoparc Mondial UNESCO, un incroyable patrimoine souterrain que Nathalie Rapuc et Dominique Bourget nous font découvrir. Bon allez, les voir. Après 15 minutes de marche, nous arrivons devant l'une des 1400 entrées de grotte du massif des Bauges. Creux de cavale. Voilà, donc on va descendre ici, quelques petits puits, et on va voir la rivière souterraine. À seulement 20 km de Chambéry, des randonnées sont possibles en forêt, mais aussi sous terre. Pas de soucis. Alors Mathieu, il faut être aguerri, parce que, enfin, on peut pas venir juste se balader dans le coin. Et descendre sous terre? Voilà. Non, bah déjà, il faut un minimum de matériel, comme tu peux le voir. Et après, le massif des Bauges, c'est un vrai petit labyrinthe. Ça, c'est la poignée, ça, c'est la pédale de... C'est le pontin qui... Alors, je suis avec David, Philippe et Babe. Et heureusement qu'il y a Mathieu qui va nous guider dans cette aventure. Parce qu'on m'a dit qu'on sait quand on rentre dans le trou, mais on ne sait pas trop quand on sort. On sentait qu'il était un petit peu nerveux tout à l'heure. Ça va? Non, tout va bien. Jusqu'à maintenant. Très rapidement, il fait sombre. C'est parti dans cette galerie de 40 km, le creux de la cavale. T'as aplati là. On enchaîne, passage étroit, grimpe, avant d'arriver au premier puits, à descendre en rappel. Au niveau de la corde, voilà. Très bien. Allez, enlève ton pied gauche et là tu vas basculer. Voilà. Ouais, bravo. Youpi. Ah, j'en peux plus. C'est vraiment impressionnant, ça je peux le dire. C'est la première fois que je fais ça. Donc Un petit puits de 20 mètres. Ouais. Petit. Waouh. Qu'est-ce que tu ressens? Ben, la fin de ma vie, quoi. Ben, sinon, ben, c'est chouette. Hein, être avec les amis, profiter entre nous tous, ben, c'est chouette. On aime bien. Il y a une sacrée impression. Puis on a un super accompagnateur. Le kart, un K majuscule, c'est la première région de Slovénie qui a été décrite, où les grottes ont été décrites. Depuis... On l'utilise avec un K minuscule pour dire que la karstologie, c'est l'étude des grottes. Sous le massif des Bauges, un immense labyrinthe de 500 km de galeries. À l'ère secondaire, l'ère des reptiles, de grandes couches de calcaire ont été formées par la sédimentation marine. Cette eau alimente le lac d'Annecy, du Bourget et de la Combe de Savoie. Mathieu, on dirait qu'on a fait une dizaine de kilomètres. Là, on est parti depuis 5 heures. On n'est pas encore sorti, on a la base des puits, il faut remonter, regagner la voiture. Et on a fait en tout et pour tout 2 km à 1 km aller, 1 km retour. Ça glisse un peu à l'arrivée. On peut dire que c'était accessible, mais assez sportif quand même. Oui, il y a des, c'est pour tout niveau. Là, on avait des adultes en pleine forme, etc. Donc, c'était un petit peu plus sportif que d'habitude. C'est pour ça qu'on a pris une petite journée pour le faire. Après, il y a effectivement des grottes, soit la demi-journée pour simplement découvrir l'activité à partir de 7-8 ans, voire même plus petit. Il y a d'autres cavités où on peut emmener des enfants de 3 ans. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Eh bien, merci Mathieu. Donc, à vous d'essayer. Et bravo à Nathalie, très courageuse. Les vacances encore.